Bonjour à toutes et à tous. Ce genre de creuset, c'est pas terrible. C'est une durée de vie qui est extrêmement courte. Donc au moment où on commence à voir en fait l'aluminium en fusion, la partie métallique ici devient extrêmement chaude, hein, elle est au contact direct du charbon. Et il arrive au bout d'un moment que d'un coup ben, ça perfore et on a des trous. Donc celui-là, j'ai dû l'utiliser peut-être 3-4 fois, et malgré les 5 mm d'épaisseur, eh ben, on a un trou qui s'est formé très rapidement. Donc voilà, ça allait pour l'instant, c'était du dépannage. En plus, on n'arrive pas bien à les nettoyer, la merde elle reste collée dedans, donc c'est pas terrible. Donc j'ai décidé d'acheter un vrai creuset cette fois en graphite. Donc celui-là, il vient d'Angleterre. Il y a un vendeur sur eBay qui a toute forme, toute grandeur de ces creusets. Maintenant, le truc, c'est que ben, il faut fabriquer un support pour pouvoir le déposer et le reprendre. Hein. Donc, on n'arrive pas à le prendre avec une pince. Enfin, j'en ai vu qui ont fait ça avec des pinces, mais c'est vraiment dangereux, quoi. Donc, il va falloir faire un système qui vient, qui se ferme et qui le maintient pour qu'on puisse ensuite verser. J'ai vu 2-3 montages sur YouTube. Ils ont tous leurs inconvénients et ils ont tous leurs avantages. Donc je vais essayer de un peu prendre les idées de tous et d'essayer de faire quelque chose qui soit facilement utilisable dans toutes les situations. Typiquement, la plupart, ils sont droits, donc ils arrivent de côté comme ça, on prend, et pour travailler, c'est pas terrible. Donc il faudrait quand même avoir un système un petit peu, je sais pas si articulé ou quelque chose d'un peu arrondi, qui permette de facilement pouvoir faire la coulée. Jusqu'à maintenant, j'ai rien vu de vraiment extrêmement bien à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai pas mal de ferraille ici, j'ai de la récup. Je vais déjà commencer par fabriquer la demi-partie, donc c'est-à-dire ici, il nous faut un système qui vienne retenir le haut, hein, donc à peu près par là, à peu près à un tiers hein, du creuset, qui va maintenir le bas. Et ensuite, là où il va falloir faire vraiment quelque chose de bien, c'est pour pouvoir, donc la pince qui va se fermer, donc je ne sais pas si je vais venir de côté ou par-dessus, je pense que c'est mieux par-dessus, et de pouvoir avoir une ouverture sous le côté pour pouvoir faire la coulée. Ça, je ne sais pas encore exactement comment je vais m'y prendre. Je vais déjà faire une partie du montage, et toute la partie, on va dire, mobile, eh ben, je verrai ça au fur et à mesure que je fais le montage. J'ai rien de décidé pour l'instant. Mais vous allez voir, je pense que je vais quand même y arriver sans problème. Voilà, j'ai déjà préparé la partie, donc la moitié qui va tenir le creuset.
Voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait un système de vêtements à ciseaux. Hein. Donc, on vient et on lève comme ça. Comme je vous ai dit, hein, j'ai eu plusieurs systèmes. Là, j'ai fait un petit peu un mélange entre les deux systèmes que j'ai vus, que j'ai retenus. Donc, j'avais un autre système où en fait, on a une barre qui revient ici. On a carrément aussi une fonction de ciseaux, mais le problème c'est qu'on est obligé d'être proche pour le tenir. Après, bah, ça fait un levier qui est beaucoup trop long et j'ai pas trouvé ça terrible. Par contre, le système du ciseau était très bon. Après, j'ai vu un système de verrouillage, donc on vient, on part dessous et ensuite on verrouille dessus et on le porte. J'ai un peu peur que c'est une fixation un peu légère. Donc là, j'ai un peu fait le système des deux et en fait, ça tient relativement bien. Maintenant l'histoire c'est il va falloir mettre la poignée et c'est de savoir maintenant donc je pense que je vais faire cette partie, donc la poignée va venir ici et sur cette partie là je vais faire une deuxième poignée pour en fin de compte pour faire le système du ciseau. J'aimerais bien faire un système avec un ressort que ça me tienne en permanence, pardon, ça me tient en permanence fermé, donc mettre un ressort ici assez fort hein, et appuyer sur la poignée pour le libérer, ce qui fait qu'on est tout le temps en traction sur le pot. Ça c'est vraiment une chose que j'aimerais réussir à faire pour avoir en fin de compte les deux mains libres sur toute la longueur de la poignée et ne pas être embêté à devoir tenir et avoir un risque qu'on lâche quelque chose. Donc pour l'instant ça a l'air bien aller comme ça. Je vais continuer sur ma lancée et je vais essayer de faire ce système donc avec un ressort. J'ai des ressorts assez puissants et voir au niveau d'une poignée pour uniquement libérer donc la mâchoire. Voilà, j'ai terminé l'appareil, donc ça marche assez comme je voulais. Donc ici, on peut travailler sous le ressort, hein, donc, tout bêtement. Et ensuite je viens, on le prend, et là je peux le tenir encore en plus, donc pour le maintenir, mais je peux aussi le lâcher, et on peut le retourner, on peut travailler, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Système assez simple en fin de compte, voilà, rien d'exceptionnel. Par contre, bon, bah, ça prend du temps, il faut couper toutes ces petites pièces ou les machins. Voilà. Mais donc ça va pas trop mal. Donc, dans une prochaine vidéo, bah, le tester en vrai, cette fois avec la fonderie, pour voir si ce système va bien aller ou pas. Voilà, à tout bientôt!